connaît dans rapport des CPJ sur assassinat président Jovenel Moïse, il y a environ 75 numéros de téléphone qui mentionnés dans rapport. Et c'est seulement une vingtaine qui enregistré, qui a nom à référence propriétaire à compagnie téléphone enregistré. Eh bien, restez là non. Reste numéro de téléphone yo ou pral konn pou ki es yo yo pral konn ki es ki met yo talè kò sa. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, Jacques Lafontaine, a tout doyen tribunal Port-au-Prince, Maître Benasseville, yo rale zorej instruction Gary Aurélien bien long. Apron gros coquin chin erre, monsieur fait nan procédure nan instruction dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et pour nous finir, si Mario Antonio Palacios plaide coupable, qui ça la justice américaine gagne pour démonter innocence Palacios dans quatre dossiers assassinat président Jovenel Moïse? Qui preuve, qui moyen de preuve yo pral vinavel pour montrer que oui, Mario Antonio Palacios li té là, li té participé nan assassinat président Jovenel Moïse. Rete là, toute information ça yo pral vinn joine nou nan yon petit moment. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Chanel Polan, TAC 509, tout en ici connecté ou dans l'émission Mon Éditorial. N'a pas continué avec même catégorie émission sous dossier assassinat président Jovenel Moïse. Ou pral comprendre réalité qui gen là sous béton. Ou pral comprendre pour qui ça la justice haïtienne par en mesure avancer avec instruction dossier. Ou pral comprendre pour qui ça. Nan moment n'a parlé là, c'est pays États-Unis qui a poussé pour pi devant, qui a joindre coupable, qui a joindre auteur intellectuel et qui ont même là une phase primordiale pour permettre à ce que vérité en li éclate. Est-ce que c'est une bonne vérité, est-ce que c'est une mauvaise vérité? L'essentiel gon démarche, gon avancée considérable qui a fait là. Restez là pour avoir toute information, mais bien avant m'a encourage au partager vidéo et sous fait tomber sur channel là ou pas quoi abonner, pas hésiter faire ça rapide vite. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon Éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Depuis quelques jours là, c'est arrestation sous arrestation. Yo fin maré Mario Antonio Palacios Palacios, li voye al maré Rodolphe Jean alias Dodof. Donc là, nous avons une situation qui est extrêmement importante pour nous kembe focus nous sur dossier assassinat président Jovenel Moïse. Mais je me sois dit nous là, dans rapport enquête de CPJ, il y a environ 75 numéros de téléphone qui mentionnent là-dedans et parmi eux, il y a près de 20 qui enregistrent. Qui ont nom, référence à compagnie propriétaire utilisée pour acheter SIM. Mais il reste numéro, qui s'est passé avec eux, pour qui est sûr et pour qui raison, enquêteur de CPJ, pas mettons nom bon côté, yo pas arrivé joindre moun qui met numéro téléphone ça. Est-ce que c'est de manière, est-ce que c'est volontairement enquêteur yo choisi, yo pas enregistré, yo pas mettre qui est qui propriété en numéro yo, pas bon côté information ou bien tout c'est tellement gen restriction dans ensemble d'informations pour yo chercher pour yo joindre nan qui fait jusqu'à date reste moun sa yo nous poko en mesure pour nous déceler qui est ce qui propriétaire reste numéro téléphone sa yo qui participait dans assassinat président Jovenel Moïse. Mais ça qui pral surprendre nous c'est le fait que 6 janvier 2022 à là RNDDH sorti un rapport additionnel dans quatre dossiers là mon président Jovenel Moïse dans quatre dossiers assassinat côté que nous supposé considérer ensemble des formations dans ça qui gain pour avec une quantité appel croisé qui passait entre exécutant yo présumé assassin yo présumé auteur intellectuel yo et jodi là un paquet moun qui en liberté mais qui gon présomption de culpabilité sous do yo parce que la clameur publique décide le constat. Là on a parlé de appel croisé, ça veut dire qui ça? Son groupe moun côté que youn après les l'autre. On va prendre des exemples concrets, on va comprendre.
Tant que par exemple, on a considéré Joseph Badjo Félix de janvier à juillet 2021, dans le rapport NDDH, il a révélé que Badjo Félix lirele Sinéus Francis Alexis, lirele également ancien DGAI la police Léon Charles, lirele Renaldo Covington, lirele Marie-Jude Gilbert Dragon, ce monsieur ça a été arrêté qui était dans pénitencier national mais qui était mort et de manière très douteuse côté que il était gain Covid soi-disant. Jusqu'à date autorité judiciaire pas en mesure pour déterminer est-ce que c'est Covid qui t'a tué ou bien est-ce que son assassinat t'est victime dans prison. Même Joseph Badjo Félix ça littéralement Premier ministre Ariel Henry, lire les H.C.D. Pierre Joseph, lire les anciens sénateurs John Joel Joseph, lire les Christian Emmanuel Sanon, lire les James Solange, et puis lire les juges Wendell Telocoque. Et puis, ou pral jouen Joseph Vincent lui-même, puis bas, qui pral rele Badjo Félix, qui pral rele Léon Charles, qui pral rele Grégoire Bonny, un policier, qui pral rele John Joel Joseph, qui pral rele Gordon Fenil. Ça, son exemple, bah, nous, pour nous, pour avec appel croisé. Son groupe, moun, yon ap rele l'autre, yon ap communiqué à l'autre. Et donc, dans le cadre, enquête qu'a fait dans rapport de CPJ avec rapport NDDH, yo pral joindre des informations qui dit oui qui indiquait que moun sa yo présumé auteur intellectuel yo exécutant yo assaillant yo yo gagné des liens de communication direct, yo gagné des liens de communication continue. Donc que nan niveau préparation, que nan niveau perpétration, moun sa yo de janvier à juillet non matin assassinat président Jovenel Moïse, yo té en communication. Mais ça qui paraît drôle aujourd'hui là, ça qui paraît extrêmement drôle, extrêmement bizarre, c'est le fait que rapport NDDH li fait mention de ancien DG la police Léon Charles comme moun qui t'a communiqué à Badjo Félix, comme moun qui t'a communiqué avec James Solange, non ça qui gen pour avec dossier assassinat président Jovenel Moïse. Bien entendu, n'a pas songé CRNDDH Pierre Espérance qui t'est révélé que premier ministre Ariel Henry li gagne en communication continue avec Badjo Félix. Ça nous pas oublier. Ça nous pas oublier puisque le RNDDH te mette rapport en dehors ou ta pral joindre commissaire gouvernement à l'époque Bedford Claude qui ta pral mandé Gisèle pour chercher information, pour bailler information, pour déterminer est-ce que oui ou non, Premier ministre Ariel Henry avec Joseph Badjo Félix, yo kon parler dans téléphone. Et l'information pral révéler que oui, yo kon parler, c'est là nous pral joindre Premier ministre Ariel Henry qui gèt fait Alzheimer, qui gèt oublié que il te kon converser avec Badjo Félix, qui même oublié qui est-ce qui Badjo Félix. Nous pas ka oublier par exemple. Maintenant, nous pral joindre une note de démenti formel que ancien DG la police Léon Charles mettait dehors pour nier relation que Pierre Espérance, relation que rapport NDDH a dit que li gagne avec présumé assassin Jovenel Moïse. Et dans rapport NDDH, yo aller plus loin pour dire que ancien DG la police Léon Charles li servi barrage, li empêcher déroulement enquête là puisque on est son autorité policière lié, li pas ta supposé à influencer sous travail enquêteur judiciaire yo, li pas ta supposé à influencer sous travail enquêteur de CPJ yo, mais selon ça rapport de CPJ en fait rapport NDDH en fait quoi, yo faut comprendre que Léon Charles li joue influence gen dans tête la police pour barrer enquête là pour détourner information etc pour prouver que lui même avec mercenaire yo lui même avec exécuteur yo pas gen aucune relation pas konn parler etc. Mais quel bagage qui est extrêmement important qui doit attirer attention aujourd'hui. Dossier assassinat Jovenel Moïse son dossier extrêmement sensible. Nous nous situation côté que ou pas ka dire n'importe bagaille sous n'importe monde sans que ou pas gagner preuve à l'appui, sans que ou pas gagner une source qui vérifie éléments d'information. Donc c'est ça nous pral comprendre là. Le RNDDH sorti rapport lien pour dire que Léon Charles li konn parler avec assassin yo, li konn parler avec exécutant yo, avec auteur intellectuel assassinat président Jovenel Moïse. Le Léon Charles lui-même li fait des mentions qui s'accepte par la suite.
Parce que tout le monde attend depuis un monde dit en parole sous, c'est pas vrai. Donc, on peut attaquer directement en justice en diffamation. Et c'est là tout, nous prenons jouer une information côté que ancien DG la police en Léon Chol, lui-même qui ça le fait, lui qui a un avocat, M. Bernard Gousse, qui sous dossier. Est-ce que très prochainement, là, Pierre Espérance avec RNDDH, vous pourrez recevoir la sommation? Est-ce que vous pourrez traîner devant la justice pour diffamation ou bien pour venir avec éléments de preuve li, pour dire mais qui l'est, mais comment, mais ça fait le dire Léon Chol qu'on parle avec Badjo Félix avec et James Solage? Donc, jusqu'à date là, il y a des démarches qui ont fait, des procédures qui pourraient entamer, qui pourraient enclencher pour nous connaître dans qui dimension. Rapport de CP, rapport NDDH, li ka poursuivre, li ka un élément de preuve qui pral commencer et pour yon ta traîner ancien DGA devant la justice, pour ancien DGA ta vin répondre question par rapport avec relation, soi-disant relation, communication qu'on gen avec présumé assaillant yo, présumé auteur intellectuel yo, ou du moins, est-ce que élément de preuve sans tout, li pral tout non quoc? Li pral tout non quoc? Dans gauche Pierre Espérance, puisque si c'est des preuves monsieur ça yo décidé yo créer yo faire de toute pièce pour ta dire que yo pral sale l'image pral sale nom et DG la police ancien DG en Léon Chol, donc le ça son bataille judiciaire son bataille juridique qui pral gagner entre deux groupes ça. Ça qui est extrêmement important encore dans quatre dossiers jodi an la nous en situation côté que rapport de CPJ, il était présenté un ensemble de numéros de téléphone, un ensemble d'individus eux-mêmes qui gen nom yo dans rapport là comme moun soi-disant qui te gen photo qui te recevoir photo avant photo cadavre Jovenel Moïse yo moun qui te circulé information ou bien tout moun qui te là qui t'a fait appel croisé. Donc tout moun sa yo gagné numéro yo dans rapport enquête de CPJ. Nous pral remarquer la plupart de Colombiens yo gen près de 12 douzaine colombiens qui gen nom yo qui gen numéro téléphone yo qui gen email téléphone qui enregistré tout ça mais on va joindre tout reste parce que gen actuellement la gen 18 colombiens qui en détention gen 18 colombiens qui en détention le te gen la chasse aux sorcières qui t'a fait pour joindre colombiens etc. Donc te gen nan colombiens qui tombé il y a plusieurs colombiens qui mouri qui perdu la vie. Donc ça qui là c'est sûr que yo tout te gen téléphone donc jusqu'à date 12 Colombiens qui enregistré avec un numéro de téléphone côté reçu. Donc 75 moun sa aujourd'hui là gen nécessité pour enquêteur de CPJ pour continuer chercher information. En façon nous pas obligé aujourd'hui là nous en situation côté que nous laver mais nous comme si autorité haïtienne yo lagué toute responsabilité en sous la justice américaine, yo lagué toute responsabilité actuellement là sous le FBI pour chercher information pour arrêter moun pour marrer moun. Donc et comme si j'ai instruction Gary Aurélien, lui-même travail est fini. Et c'est là nous pas comprendre le commissaire gouvernement Jacques Lafontaine avec doyen tribunal civil Port-au-Prince M. Bernard Saint-Ville yo ra les oreilles. Yo gen raison pour ça parce que bon dit non bagay ki simple. Nous nous en situation côté que 6 mois après assassinat président Jovenel Moïse, on dirait que si c'est pas États-Unis qui t'a arrêté par la chose, pas d'argent gen aucune avancée qui t'a fait dans dossier ça parce que là nous juste 6 mois après pas au froid ou pas dans des juridictions Gary Aurélien li auditionné youn nan colombien yo. Gros quantité en vie de recherche que la police mettait des quantité moun. Jusqu'à date pas gen youn qui arrêté pas gen youn yo jam joine. Nous te gagné par la chose qui était en cavale, n'a chercher. OK États-Unis ramassel. Nous gagné Samir Andal jodi là gon bataille qu'a fait pour extradition. À quel prix? Donc pas bon côté autorité haïtienne, yo pas vraiment bon travail. Nous ouais côté, nous instruction dossier li sous la sellette. Nous ouais instruction Gary Aurélien, c'est pas rien la régler, c'est dodomien avec dossier. Alors que li te gagné 3 mois après le fin prend dossier en charge, 3 mois depuis le commencer instruction dossier jusqu'à 3 mois pour le rendre ordonnance. Ordonnance de clôture côté que enquête finie, moun ni pral déférer devant tribunal criminel là pour le déférer etc. Est-ce que nous, jusqu'à date là, Gary Aurélien est dans le stade pour le rendre ordonnance? Non. Parce que jusqu'à date, Colombien n'a pas encore auditionné. C'est vrai, James Solage, Joseph Vincent, yo tande yo. Qu'en est-il de Christian Emmanuel Sanon?
Qu'en est-il de plusieurs autres policiers qui en détention dans la pénitentiaire nationale, juge instruction Gary Aurélien pas jamais en mesure pour le temps de yo. Qu'en est-il de cette des lieux qui supposés fait juge instruction Gary Aurélien. Combien fois nous tendez li dou yo fait dépôt sur les lieux, li aller kay ancien président Jovenel Moïse pour la chercher des éléments de formation, pour la collecter des indices. Combien fois nous tendez juge instruction li fait dépôt? Nous pourquoi jamais entendre ça? Combien de fois nous tentons de descendre des lieux qui fait sans que ce pas enquêteur de CPJ qui a fouillé, qui a cherché des indices, des éléments de formation? Je suis sur Gary Aurélien, peut-être lui mettre dans les pensées ou bien lui croire que c'est l'autorité américaine ou bien c'est dans le cadre de coopération que le dossier Jovenel Moïse lui prend l'atterri, toute information et opération, etc. Mais non! Là, nous avons une situation côté que la justice haïtienne lui fait preuve, il a montré que la caille nous n'a pas réglé rien. La justice haïtienne n'a pas réglé en merde dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et c'est ça qui fait nous, tout focus, tout le monde là actuellement, il n'est pas dans le dossier, il n'est pas dans l'instruction de dossier, j'ai l'instruction de Gary Aurélien. Tout le monde a tourné au regard vers les États-Unis. Il a fini de marrer par la science, par la science. Il a marré et Dodof. Tout le monde attend qui est-ce qui prend le suivant, qui est-ce qui prend l'exemple et comment déroulement après le fait, comment procès après l'entamer, puisque Mario Antonio Palacios Palacios lui décide de plaider non coupable. Donc s'il décide de plaider non coupable, maintenant faut que gouvernement américain, faut que États-Unis viennent avec des éléments de preuve qui prennent le dire nous, mais comment Palacios Palacios t'a fait trouver le cas Jovenel Moïse, mais comment Palacios t'a fait rentrer en Haïti, mais qui est-ce qui fait Palacios marron, mais comment Palacios t'a fait pour rentrer dans la chambre Jovenel Moïse, mais comment Palacios t'a fait pour tuer Jovenel Moïse, etc. Et malgré ça, Jodian a questionné son réelle coopération qui existait entre la justice américaine et la justice haïtienne. Parce que bon, dit non. Pendant qu'on a parlé de enquête assassinat président Jovenel Moïse au niveau international ou bien précisément aux États-Unis, mais autorité haïtienne yo là, yo pa gen rapport FBI non, nan sa ki gen pou wè avec City yo. Yo pa gen aucun élément d'information que la justice américaine joigne cherche dans quatre dossiers City yo, entreprise ça qui était engagé colombien pour entrer en Haïti vinn tuer président Jovenel Moïse. Autorité haïtienne n'a pas aucun élément d'information. Alors que CTU, c'est lui-même qui se sert au crime, c'est la caille crime planifié, c'est lui-même qui va exécuter, c'est lui-même qui organise tout le bagaille. Donc il faut qu'autorité haïtienne soit en mesure pour connaître, mais qui ça FBI joint, mais qui information joint, mais qui ça a décidé, etc. Donc là, juge d'instruction Gary Aurélien, le temps qu'on t'y pantin, on marionnette, tu as utilisé dans quatre dossiers en Haïti. Parce que nous n'avons pas aucune volonté, pas aucune démarche qui est appropriée, qui est faite en Haïti pour aboutir avec un avancé ou bien ordonnance, côté que nous avons déféré mesures devant le tribunal compétent. Regardez comment les choses sont faites rapide, vite avec Palacios aux États-Unis. Alors, ce que nous avons dit, pays, nous avons un système judiciaire, nous fiers, nous fiers. Nous n'avons pas qu'à fiers, nous avons un système côté que la procédure n'est pas respectée. La procédure de comparution devant le juge naturel n'est pas respectée en Haïti. Flagrance pas respecté, procédure pour ordonnance yo bay pas respecté. Donc non ça qui est pour avec système judiciaire là pas gen rien qui respecté. Kounye on pral parler de coopération et là n'a gardé ça qu'a fait en termes de coopération. Nous aux États-Unis li prend tout dossier pour col net li pa bay autorité haïtienne ensemble des formations que yo t'a supposé gagner dans mais maintenant kounye on dit tout si c'est comme ça bagaille la fête. Eh bien, ça qui arrive là, c'est que États-Unis, tout le monde li prend, tout le monde li marie dans quatre dossiers Jovenel Moïse, yo a paraître devant juge, yo a jugé yo, yo a condamné yo, yo a bien pour purger peine aux États-Unis. Donc si c'est comme ça lié, eh bien tout le monde la justice haïtienne marie ici yo, tout le monde la justice haïtienne déterminé qui participe, qui gagne complicité yo dans assassinat président Jovenel Moïse. Donc c'est là y a jugé tout, c'est là y a condamné et c'est là y a purgé peine yo. Donc, pas de aucune coopération qui pourrait permettre que, et principe qui doit, quand on fait crime, c'est la crime doit sanctionner, c'est la doit punir. Par exemple, pas respecté. La loi du lieu du crime ne sera pas respectée dans ce qui est pour avec le dossier Jovenel Moïse. Parce que nous, si nous parlons d'extradition, de nous traiter d'extradition entre États-Unis avec Haïti,
Nous avons attendu, nous, quand nous avons arrêté Mario Antonio Palacios Palacios, nous avons voyé en Haïti pour venir répondre à une question de l'instruction d'Ario Elien. Nous avons arrêté Dodof et deux républiques dominicaines. Ce n'est pas vers les États-Unis, nous avons extradé. Okay? Nous avons obligé, une fois arrivé aux États-Unis, nous avons voyé en Haïti. Mais nous avons ouais, démarche, ce n'est pas aucune démarche qui vient pour avec la justice haïtienne, mais c'est des démarches qui vient pour exclusivement avec la justice américaine. Donc, guys, aidez-moi comprendre. Parce que là, nous grand Simon. M'pa pral substituer, m'pa pral mettre dans place d'instruction Gary Aurélien. M'pa juge. Mais là m'a observé réalité, m'a observé ça qui a passé pendant tout déroulement dossier assassinat président Jovenel Moïse, même genre avec nous même qui l'a cap chercher information, cap chercher comprendre. Donc si mon observation, si mon bagage qui méritait lumière, on bagage nous supposé qu'on est nous supposé comprendre, c'est tout droit pour me venir là avec, pour me venir débattre avec nous pour nous comprendre. Donc comment on va l'expliquer toute arrestation ça a fait FBI Maré Mario Antonio Palacios Palacios alias Floro. L'imare Rodolphe alias Dodof ou pas jamais joine on note pas bon côté la primature ou pas joine on note pas bon côté ministère affaires étrangères ou pas joine on note pas bon côté ministère de la justice. Donc ni Ariel Henry ni Beto Dossé ni Jean Généus yo youn pas ça pas garder yo ça pas mêler yo que FBI rive fait travail que autorité haïtienne yo pas de café. Ça pas gardé que la justice américaine rive marre des présumés assassins, des présumés auteurs intellectuels de assassinat président Jovenel Moïse. Donc nous devons clair sur ça. Nous devons que n'exa yo pas gagne aucun intérêt, pas gagne aucune bonne volonté et s'il le faut pour yo ta fait tout ça yo konnen pour empêcher ce que la justice haïtienne rive abouti avec ordonnance rive abouti pour marrer tout le monde qui impliqué qui gen nou cité dans dossier Jovenel Moïse. Nous wè que n'exa yo pral déterminer pour empêcher la justice fait travail. Et c'est là que nous pral comprendre que juge Gary Aurélien li gen toute lenteur ça dans instruction dossier. C'est là tout pour nous comprendre que juge Gary Aurélien n'exagère, yo ka jwenn toute influence yo, yo ka jwenn tout ça yo gagne comme pouvoir comme autorité pour pencher balance, pour pencher la justice en faveur yo, en faveur à coalition. Parce que nous voyons comment nèg yo hypocrite. Jovenel Moïse qui était nommé Ariel Henry avant yo assassiner là. Mais comment Ariel Henry a bal et a bal hommage à bal au champ alors que nous sommes regardé récemment même nèg dans palais national yo, même UGPN yo y a honoré Ariel Henry, m'a demandé tête moi pour qui raison à quel fait. Alors que nous gros paquet hypocrite dans tête l'état, nous gros paquet hypocrite cap gérer institution importante dans le pays. Un président mouri assassiné, un premier ministre Guenol cap cité dans rapport d'enquête, un premier ministre Guenol cap cité comme monde qui en communication permanente avec une présumé auteur intellectuel yo. Donc jodi non seulement nous gagnons là qui fait carré dans tête primature cap prend décision pour nous, nous gagnons là même au minimum d'hypocrisie il pas qu'à faire pour le tardi, l'a pas apprécié, pour le tardi, l'a encouragé la justice américaine ou bien yo pral booster autorité haïtienne pour yo prendre responsabilité yo, faut qu'yo fait exactement ça qui doit faire dans assassinat dossier assassinat président Jovenel Moïse. Nous pas wè yo, nous pas wè Ariel, nous pas wè Beto Dossé, nous pas wè Jean Généus, tout moun sa yo après le business pa yo. Et m'gè plus intérêt que nèg sa jodi an là. Dans ce moment-là, il y a plus de travail pour empêcher la lumière faite, au lieu que y a de travail pour encourager, pour booster la procédure, pour booster la démarche qu'a faite, pour permettre à ce que la lumière faite sous dossier Jovenel Moïse. Et, je dis un combat qui est important. Et nous, j'ai une instruction Gary Aurélien, pas penché sous lui. Actuellement, là, c'est seulement rapport enquête FBI là. Qui gagne élément d'information ça yo là-dedans et qui a servi dans quatre dossiers assassinat président Jovenel Moïse. Malgré que dans rapport de CPJ yo fait mention de autopsie président Jovenel Moïse, mais rapport forensique là côté li parce que jusqu'à date yo pas déterminé, yo pas déterminé l'heure approximative côté que président Jovenel Moïse y mouri. Et sous pas gen l'heure sou pa gen le DCA garanti ou pa gen aucun avancé ka fait, pa gen rien qui pral déterminer qui est-ce qui était là, qui l'était là, comment il était fait là.
Et c'est ça que je vais expliquer nous là. Là, nous parlons de rapport forensique. Nous parlons de rapport forensique en cadre et le nous dans ça qui gain pour avec des dossiers judiciaires. Dossier judiciaire côté que par exemple yo tue un monde et puis on pral jwenn des enquêteurs judiciaires qui pral vini chercher le monde ça mourir le approximatif décès. Donc là on est arrivé sur scène de crime non et à l'époque 7 juillet en matin juge destin juge de paix tribunal Pétionville là il était allé pèlerin la cage Jovenel Moïse. Jovenel Moïse li mouri. Nous lever, nous tout apprendre que le président est mort. Mais le juge de paix a arrivé sous scène crime, avec pas de médecin légiste. Un juge de paix, il a pour constater fait, il a pour constater sa crivière, il a accompagné de un greffier qui prend note. Mais ça qui est pour avec rapport forensique, ça qui est pour avec heure de décès, ça qui est pour avec façon qu'on a positionné ensemble des formations que cadavre gagne là-dedans. Parce que l'offre mourir, c'est pas qu'on mourir et puis tout le bagage est fini, non. En matière judiciaire, le gain qu'elle judiciaire qu'a fait, cadavre parlé, oui. Ha! C'est en Haïti moun pa prend bagay sa au sérieux. Et c'est une des raisons qui fait nous ouais, pendant tout 7 juillet a fin passé toute période 10 juillet 12 juillet, le FBI t'est allé ca Jovenel Moïse, nous t'est ouais t'a sorti avec mallette document, mallette dossier etc. Tout bagay qui dans chambre Jovenel Moïse, yo bon histoire yo ka raconter. Et c'est une des raisons qui fait nous ouais. Le autorité au fait lever cadavre Jovenel Moïse yo aller et puis 3 jours après yo pral vinn ba ou et maintenant qui condition autopsie Jovenel Moïse fait etc etc yo pral yo joine 12 impact balle sur Jovenel Moïse yo joine un gel pété yo joine bras cassé etc yo joine li prend balle dans oreille etc maintenant rapport là yo pas jamais déterminé qui le exactement Jovenel Moïse assassiné. Et c'est une des bagailles, et c'est une information que enquêteur DCPJ rivé, enquêteur FBI, pardonnez-moi, rivé décelé, rivé déterminé. Et c'est ça que fait jodi an là, nous ouais, yo même aux États-Unis la justice américaine y a poussé pour plus devant parce que yo gon ensemble d'éléments d'information nan men yo que yo pas partagé avec la justice haïtienne. Donc si autorité haïtienne yo pa gen le approximatif Jovenel Moïse assassiné, li pa gen le cadavre Jovenel Moïse, autopsie Jovenel Moïse pa parler parce que pas de bon médecin légiste qui était là le t'a pleuvé cadavre Jovenel Moïse qui pour déterminer mais qui le éventuel Jovenel Moïse était assassiné mais qui le éventuel et mercenaire yo assassin exécuteur ont rentré pour tuer Jovenel Moïse, li pral impossible. Il prend l'impossible pour juge instruction Gary Aurélien pour le grand ensemble des formations qui pral permettre lui tout bon abouti avec ordonnance côté que le pral doké colombien sa yo yote la tel le tout bon mais sa vidéo bay mais sa information yo bay pour yo voyer devant juge pour juger. Mais nous wè yo prend Mario Antonio Palacios Palacios, yo prend Rodolphe Jean malgré que Mario Antonio Palacios Palacios lui-même li plaide non coupable. Li plaide non coupable. Donc la justice américaine yo même yo pas peur yo pas crainte parce que yo même yo gen à la disposition ou ensemble des formations qui pral démonter bout par bout présomption d'innocence Mario Antonio Palacios Palacios. Mais gen cause gen bagay pour nous connaître. Et me pral quitter nous tout à l'heure là avec une traduction. Pierre Richard Midi fait sous déclaration Mario Antonio Palacios Palacios pas devant autorité américaine yo. Ça nous pral tande en mes amis, c'est déclaration Mario Antonio Palacios Palacios alias Floro bay avec autorité américaine yo. On pas choisi faire commentaire sur lui. Parce que Palacios décide de parler un paquet de bagay là. Palacios même dit l'heure t'est arrivé, il t'est joindre Jovenel Moïse t'est gétant mouri déjà. Et pas ça seulement non le dit en tout cas. M'a pas choisi faire commentaire sur lui mais m'a quitté pour tendel. Tendel ouvri oreille. Mettez bon sens sur là pour tendre information yo et par la suite dans prochaine émission n'a pas gagné ensemble pour nous commenter sur lui. Je veux dire la vérité. Je veux dire toute la vérité sur tout ce qui s'est passé. Je suis un fugitif de la justice ici. Car ici en Haïti, il y a aucune garantie de rien.
Ici, la police est toute foutue. Tout est foutu ici, il n'y a rien. C'est un no man's land. Donc, j'ai été sauvé par ma couleur de peau. Je suis caché dans certains endroits toute la journée. Je dors à peine. Je suis très inquiet pour ma vie. Je veux que vous en parliez avec des personnes de confiance. Avec mon général des forces militaires de l'armée, la police, le ministre de la Défense et le président. Je demande votre aide. J'ai besoin d'aller jusqu'au bout, de voir si je peux y arriver avec des garanties. Parler avec des garanties, pas sans garantie. Je n'ai pas l'intention de me rendre non plus. Si je dois sauter à la mer, je vais me jeter. Ils nous ont conduits de l'hôtel la nuit dans une autre maison d'un homme d'origine chilienne. Là, ils nous ont parlé d'une autre mission, d'aller capturer l'homme, que nous allions être là jusqu'à ce qu'il parte. Nous étions, puis trois jours, le jeudi, jeudi soir à l'aube, nous avons commencé à faire le travail. Nous sommes arrivés, ils ont organisé la première équipe avec Don Manuel Grosso, Don Rivera, German, et les citoyens haïtiens américains. Il y avait une deuxième équipe. Dans la deuxième équipe, nous allions entrer dans la pièce. Et dans la troisième voiture, il y avait mon équipe. La deuxième équipe était dans la deuxième voiture. Leur mission était de neutraliser les policiers. James Solage est arrivé et a commencé avec un mégaphone pour parler de l'opération de la DIA. Nous avons commencé à entrer. Monsieur Blanquisset est arrivé à la porte. Le sergent Edwin Blanquisset, il a grimpé une échelle à travers le portail, mais la porte avait été laissée ouverte parce qu'il y avait des gens de la sécurité du président qui étaient désorganisés. Ils étaient désorganisés là. Eh bien, il y avait des rafales de mitrailleuses. À l'intérieur, nous avons fait quelques coups de feu aussi. Nous avons franchi la porte parce que la porte était ouverte. Nous sommes entrés. Quand nous sommes entrés, ceux qui tiraient avec la mitrailleuse ont grimpé sur un mur et se sont enfuis. Je suis resté en cherchant une chambre au premier étage. Quand nous sommes montés à gauche, il y avait une grande pièce, un vestiaire, avec un dressing à droite. Il y avait une pièce avec des vêtements et j'ai pris la pièce à gauche. J'ai appelé le groupe et j'ai dit, bien sûr, on va vérifier, comme l'homme n'était pas là. Alors, nous sommes allés vérifier une autre pièce, il n'y avait rien là-bas. Il y avait une salle de bain, il n'y avait rien là-bas. Nous sommes revenus dans l'autre pièce. Le président était dans l'autre pièce principale. Le commando Yepes était là, mon premier Romero, le commando Pipe, et d'autres commandos de l'autre équipe, de la deuxième équipe. On a dit, où est l'homme? Il est là, allongé là avec la dame. Il y avait l'homme, ils ont dit qu'ils étaient morts. Et ils étaient morts. Alors, ils ont commencé à chercher. Il leur avait dit de chercher et du matériel électronique. Ils ont commencé à les chercher. Là, nous avons entendu l'ordre qu'ils devaient partir, que tout allait mal tourner. Nous sommes arrivés et avons pris ce que nous pouvions et sommes partis. Quand nous sommes sortis, il y avait James, désespéré, que tout avait mal tourné, et que Dimitri, il a dit, Don Manuel et Don Mike, Don Rivera, que Dimitri... Je ne sais pas ce qu'il avait avec Dimitri. Puis l'homme est venu là-bas. Je lui ai dit que l'homme est mort. Nous avons commencé à sortir dans deux voitures. Ceux qui étaient devant ont neutralisé des policiers qui se trouvaient sur une colline. Nous avons porté leurs armes. Puis nous sommes partis sans les attacher. Les policiers siguieron con nosotros sin amarrarlos, sin amarrar. Au bout d'un moment, une autre patrouille est arrivée, les hommes sont arrivés, rien ne s'est passé,
Puis ils sont partis et nous avons continué à nous déplacer. Quand nous arrivions près du Grand Parc, il y avait un barrage de la police qui était là. De là, deux voitures nous ont dépassés et ils ne nous ont pas laissé passer. M. James et M. Blanco ont commencé à dire qu'ils étaient de la DEA. Ils nous ont bloqués là. Ils sont restés dans cette position toute la journée. Ils ont appelé tout le monde, un certain Arcangel, M. Antonio, Tony. Ils ont appelé beaucoup d'autres personnes pour les sortir de là et rien. Vers les 5 heures de l'après-midi, 4 à 5 heures de l'après-midi, le chef de la police a annoncé une opération contre nous. Ils avaient des francs-tireurs placés d'en haut. Nous étions dans une maison fermée à clé. Derrière nous, il y avait des escaliers. Ils montaient, mais il y avait un mur pour pouvoir sauter. Et à peine que l'un d'entre nous a bougé, ils nous ont tiré dessus. Ils ont tout endommagé, les fenêtres de la maison, en nous tirant dessus. Ils ne nous laissaient pas respirer. Ils ne nous ont jamais dit de nous rendre. Maintenant, oui, les autres policiers sont venus avec tout pour nous massacrer. Mais ce n'était pas le cas dans la maison du président. Ils nous ont massacrés. Dans la maison, ils ont tué M. Romero avec une grenade à main. Ils l'ont lancé sur lui. Elle est tombée sur lui, il est mort. Ils ont également blessé M. Manuel. L'homme a été laissé là. Il a dit, partez les gars. M. Rivera est sorti avec deux autres commandos. Tandis qu'il se déplaçait avec les commandos, nous avons dit avec lui. Naïsser a dit non, on ne peut pas se rendre. On est monté dans les escaliers et nous avons subi d'autres tirs. Moi, je me suis jeté dans un trou, je me suis couvert avec un carton. Je suis resté couvert là jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Je pouvais à peine bouger parce qu'ils avaient continué à tirer, Si je bougeais, ils m'auraient tué. Et M. Manuel nous a dit, ne tirez pas sur les policiers, car les choses se compliqueront pour nous si nous tuons un policier. On n'a jamais tiré, on les a épargnés. Ils ne nous ont pas épargnés. Ils nous ont criblés. Nous étions à court de munitions et les coups que nous tirions étaient juste en l'air ou sur les murs. Quand je suis parti, il était 7 à 8 heures. Il faisait noir. Je suis sorti en douceur. J'ai remonté un ravin, pas les escaliers, j'ai enlevé mon gilet, je suis allé me coucher un moment, et c'est là que j'ai entendu un cri de Manuel qui voulait de l'aide. Quand boum, les messieurs qui étaient sur la route ont bougé, ils sont montés boum et ils lui ont tiré dessus, ils l'ont tué. Ils n'ont pas épargné. Et bon, je suis resté seul. J'étais le dernier. J'ai été seul. J'ai escaladé le mur. Je me suis jeté sur la route. J'ai pris la main gauche. Je suis passé par là jusqu'à un trou pour me reposer. Genre 8 heures du soir, je suis parti. Je suis retourné du côté droit. Et rien. De ce côté, la police est très proche et rien. Ils m'ont presque rattrapé. Je suis revenu encore à ce point où je me cachais avant. Je suis entré et là, à 5 heures du matin, je suis allé à l'autoroute. Je suis resté là aéré, tournant sur cette route jusqu'à 6h30. Un homme est passé à moto avec un homme chauve. J'ai mis ma main sur lui. Ils m'ont fait monter. Je suis passé près du barrage. Ils ne m'ont pas reconnu. Et je me suis mis à marcher. J'ai rencontré un homme qui parle espagnol, un Américain, et je lui ai dit de m'aider. Aidez-moi, ils vont me tuer. Emmenez-moi où vous voyez que c'est sûr. Il m'a emmené là-bas, dans une maison, où il y avait une dame. La dame m'a protégé là-bas. Parfois, je dois parcourir dans les montagnes la nuit et je sors de la maison. Mais j'ai été là, à l'abri. Donc, j'ai besoin d'aide. Et c'est urgent, très urgent. Ma vie est en danger ici. Je ne vais pas me rendre. Non, je ne vais pas me jeter à la mer. Je ne sais pas, mais je ne me rends pas dans ce pays sans garantie. Ils nous ont tous trompés qui sont venus de Colombie. Nous avons été trompés. On nous a rassemblés comme des enfants à qui on donnait des bonbons. Nous étions heureux parce que c'était une bonne offre d'emploi, parce que le paiement était de 2 700 $.
Alors, c'était une offre d'emploi. Nous ne sommes pas venus en tant que mercenaires pour tuer personne. Nous sommes venus travailler pour travailler à la sécurité. C'est la seule chose que nous savons faire, la seule chose que nous connaissons. Et la sécurité, nous, les commandos colombiens, ils ont capturé nos compagnons, ils n'ont rien rendu. Ils les ont fait exploser, ils n'ont rien, ils n'ont accès à rien, là-bas dans cette prison où ils envisagent de les mettre dans les prisons où se trouvent des méchants. Je préfère mourir que de me rendre. Concernant l'assassinat du président, je ne sais pas qui l'a tué. Je vous l'ai dit du fond du cœur. Je vous l'ai dit du fond du cœur pour ma famille, mes enfants. Je ne sais pas qui l'a tué parce que quand je suis arrivé à la pièce, Yepes et les commandos étaient déjà là. Romero et d'autres commandos, Pipe, étaient déjà dans la pièce avec lui. Ils lui ont demandé. Il est mort. Ils sont morts. Maintenant, eux, ils sont là, en prison, essayant de sauver leur peau. Ils blâment ceux qui sont morts et ils espèrent sauver leur peau là-bas au détriment de ceux d'entre nous qui ne sont pas prisonniers. Hey, aucun problème, bon? Bagaille la piti. Rete la pale. Zers of Moringa pour tes solutions. 15 outils, c'est pour mal pour l'an même. Ça pourra le permettre de rallonger les pénis. Balle longueur vlée, et puis survlée, ou moun vlée. Dans 90 jours seulement, solution non mais, pardon y'a. Et ou même qu'a fait revenir. Ah, madame, non pas vlo nan kaila. Kout ki lot fait pou pou. Ou fait bekate? Eh bien, pas inquiète, solution là. Gebon yon traitement 100% naturel pendant 90 jours, tout bec a été fini, ça faut régler nan bon ti mami. Tout garçon ka utilisé entre 15 à 75 ans. Ou pas besoin peur. Produit 100% naturel, yon testé et approuvé. Relé nan 514-886-9776 ou bien nan 37-55-46-06. Ou bien tout, passez sur website lan www.zestofmoringa.com. Suspend plein, Zest of Moringa, c'est solution. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Et bien sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, que chez Chanel par là, pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.